What's going on, guys? Et on se retrouve encore pour un peu plus de Forest. Donc on va charger la partie. Et après, je vais expliquer quelques trucs. Et voilà, une bonne grosse minute de chargement. Moi, je la couperai pour vous, les gens, mais bon. Le chargement est bien long. Alors, ce... Oh bah tiens, on va te tuer, toi. Alors, ça a rien à voir avec... Avec la partie que j'avais avant, parce qu'en fait ils ont fait ce qui s'appelle un quick fix, donc fixe rapide de la sauvegarde. Ils l'ont amélioré, mais en l'améliorant en fait ça reset complètement la mienne, donc j'ai dû tout refaire. Donc je me suis installé en plein milieu de la forêt cette fois, pas sur la plage, rien, parce que sinon c'est un peu chiant, il y a rien qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je me suis installé près de la forêt. Enfin, non, dans la forêt. Près d'un petit lac, donc il y a des poissons. On va même en pêcher quelques-uns, mais j'ai pas de bâton. Il y en a sûrement là. Voilà. On va essayer de prendre un poisson. Poisson qui va dans le sol. C'est quoi ça? Des grenouilles? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Ah ouais, il y a une grenouille. Ah, c'est cool. Joli petit détail. Olé! One! Eh. Putain, reviens, j'ai les mêmes à la maison, bordel. Putain, je ferai la pêche à la dynamite, moi. Ça irait beaucoup plus vite. Voilà. Alors le feu, faut le rallumer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ah oui, c'est un truc de lapin qui marche pas. Alors, tac. Pour le foot, c'est C. Il faut se rappeler un peu des touches. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors voilà, je me suis installé près d'un petit lac. Ouais. Donc il y a du poisson. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, j'ai eu quelques combats. Ça, on va couper. Coupe le bois. Coupe. Voilà. Voilà. J'ai fait un peu de combat. Donc, j'ai pu avoir ça. Un joli effigie. Donc là, il y a une torche. Qu'est-ce qu'il y a de fait? Voilà, c'est un jardin, mais bon. En fait, ça pousse jamais assez vite. Donc, bon, bah voilà quoi. On peut manger ou pas? Ouais. Hit, parfait. Donc, ça, c'est mon piège. Mais ce putain de piège, il se fait à chaque fois en fait déclencher par tout ce qui se passe. Donc, en gros, les lézards ou les lapins, ça déclenche ce piège. Donc, ça, c'est un peu relou. Même beaucoup, même. Ça, c'est pour dormir. Ça, vous savez. Ça, c'est pour en fait foutre les bûches, les troncs de bois, tout ça. Donc ça marchait quand je l'ai fait, ça marchait très bien, nickel tout ça. Mais en sauvegardant et puis en fait en rechargeant la partie, ben maintenant ça marche plus. Donc en fait ça sert à rien. Voilà. Donc ça c'est un peu con. Comme vous avez vu là-bas aussi, il y a un petit camp où c'est qu'il y avait des humains apparemment. Enfin ils sont tous morts, blabla. Je crois que je sais pas s'il y a un cadavre. Ah si, je crois que si. Voilà. Il y a un zombie, zombie. Donc voilà. Ce qui est bien en fait, c'est quand on recharge la partie, tous les objets en fait qui sont sur le sol sont rechargés aussi. Donc ça c'est pas mal. Là il y a des baies. Alors, ouais, je peux les manger, celle-là je crois. Donc ouais, tous les objets en fait qui sont sur le sol se réapparaissent. Donc ce qui me permet de re-avoir en fait des médicaments et tout ça pour survivre. Parce que, bon là vous voyez pas la souris, c'est pas grave. En fait tout disparaît. Enfin j'ai pas par exemple les trucs que j'ai récupérés. Putain il me faut un caillou. Il faudra un caillou. J'ai récupéré énormément de choses en fait avant de... Ah une araignée. Avant de quitter la partie, mais la sauvegarde ne sauvegarde pas tout. Donc j'ai pas de cailloux. Putain, j'arrive pas à récupérer les cailloux en fait. Ouais, ça aussi, ça le fait. C'est que, en fait, ça... Ah tiens, il y a du monde.
Des fois ça récupère pas les objets en fait, une fois qu'on a chargé la partie. Est-ce que je voudrais en fait faire une... Bon bah c'est pas grave, je peux pas. Ouais. Je peux pas, je voulais faire en fait une hache avec un rocher et un bâton, mais non, non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. On va... Est-ce que je sauvegarde ou pas? Non, c'est pas la peine. Non, ce que je voulais faire par contre, c'est avoir des objets. Ah, j'ai pas grand-chose, j'ai deux snacks. Quoi, 10? 9? D'accord. 10 sodas. Ouais, je comprends rien, d'accord. Et les bières aussi, ça les a pas ramassées. Ah tiens, quelqu'un m'a vu. Merde. Oh, ding ding dong. Vous êtes où? Ah, vous êtes là. Bon, qu'est-ce que je voulais faire dans cette partie? Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Waouh, ça saute bien aux arbres. Waouh, ça peut sauter d'arbre en arbre. Ah, c'est quand même pas mal, ça. Ah oui, bah le voilà, le piège il a dû être activé par un putain de lapin encore. C'est quoi ce bruit? Oh putain, les femmes elles sont toujours super agressives, putain c'est super chiant. Bon, vu qu'il n'y a pas grand chose, j'ai pas envie de faire de la construction pendant 5 ans. Apparemment ils ont un peu peur hein, quand il y a les figés en feu, ils se reculent. Qu'est-ce qu'il fait lui derrière l'arbre? Derrière le feuillage. Donc je voulais pas faire en fait de la construction encore, parce que bon là j'ai bien avancé, mais bon je ferai ça plutôt hors caméra, parce que ça va être chiant sinon. Je voulais en fait trouver leur grotte. Donc bon, là ce qui m'embête c'est ils sont déjà en fait tous sur moi, donc ça va être un peu chaud de partir. Quoique si je... Toi je veux te tuer en fait pour ta peau, comme ça me fait de l'armure. Je vais tester, on va voir ce qui va se passer. Allez, on va voir. Je voudrais bien en fait trouver leur grotte. Je pense qu'elle est l'autre côté. J'arrive pas trop à me repérer. S'il a la... Ah, arrête de me courir à ta race. Mais comme j'avais dit, les femmes sont ultra agressives comparées aux mecs. Ça doit être le moment des... Voilà quoi. Ah, ils sont derrière moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme un cours. Salope. Ah tiens, un camp à eux. Rouh, à la nage. Merde, je suis sous l'eau là. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû plonger comme ça. Je suis un scaphandrier. Pardon. Voilà, je suis un scaphandrier. Je marche au fond de la mer. Bon, un truc à savoir, ne pas se jeter dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es dans l'eau! T'es Ah, de faire n'importe quoi! Mon Dieu! Mon Dieu! Bordel, ce jeu! Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Putain, laissez-moi, laissez-moi. Bon, pas grand-chose. On continue. Oh putain, c'est là! Oh putain, ils sont derrière moi! Alors, pourquoi je ne peux plus bouger? On va pas utiliser le lighter, on va utiliser la lampe. Ok, un bâton, c'est pas mal. Ouais, la lampe, on voit un peu mieux. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire, c'est trouver cette grotte. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a sur les cheveux? Ah, une brosse à dents et tout. Ah, c'est sympa. Ok. Alors. Armure, soda, putain, en fait il y a écrit 10, mais en fait j'en ai qu'un. D'accord. Allez, on avance.
Alors pourquoi je veux aller là? Alors déjà, ça me fout les boules. Oh merde! Non, non, c'est bon. Non, bah attends, peut-être je vais peut-être là-bas. Oh mon dieu. C'est peut-être le deuxième chemin. En fait, ce que je veux faire, je déteste grotte, ça me fait péter un câble, je me fous les boules et tout. Surtout quand il y a des putains de connards derrière moi. En fait, je veux trouver les nouveaux monstres. Enfin, les nouveaux monstres. La deuxième sorte de monstres, de mutants. Donc j'espère. Putain, il m'a fait peur. Hein. Donc j'espère que c'est là-bas, parce que j'ai pas envie de rester 5 ans dans cette putain de grotte. Ah, ils sont là! Ah putain, ils attaquent! Voilà, c'est ça. C'est horrible, hein. Putain, là, ça rappelle du Silent Hill. Hein. Et je dirais que c'est un peu interdit au moins de 18 ans quand même. Mais si vous n'avez pas compris pourquoi, ben c'est parce que vous êtes jeune. Mais c'est très bien, moi aussi. Est-ce qu'on peut les tuer? Bon, ils ont pas l'air très très réactifs. C'est où le devant, c'est où l'arrière? J'ai l'impression que ça, les bras qui sont mieux formés, doivent être le devant. On dirait qu'elles sont. Je vais l'appeler elle, hein, je vais dire elle, mais je crois qu'elle s'en tape complètement des coups de hache. D'accord. Bon, c'est malsain, je me casse. Donc voilà, c'était. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Voilà, bah, c'est ça que je cherchais en fait. Ça y est, j'ai trouvé. Putain, c'est horrible, c'est malsain. Qu'est-ce que c'est que ça? Des bébés? Arrête! T'approches pas! C'est des bébés! Ah, mais c'est horrible! Oh, la lampe torche va me lâcher, putain, bordel. Y'a quoi là? Y'a des trucs à récupérer? Pourquoi des seaux bleus partout? C'est des quoi? Des seaux de peinture en plus. Oh, la lampe torche, me fais pas ça! Saloperie! Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Qu'est-ce qu'il y a plus loin? J'ai peur! Oh! Tout va bien. Allez, avance, saloperie. La lumière! La sortie! Get out! Ouais, deuxième sortie. Bon, apparemment, il y a deux sorties. Ouais. Ça va, c'est cool. Ça va, on a survécu. Donc là, je suis sur la forêt. La forêt. Sur la plage. Tiens, prends-toi ça. J'ai une jambe. Ouais, on dirait que je récupère pas les objets hein, quand je les ramasse, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Des étoiles de mer. Ah, des trucs. Donc on n'était pas très loin hein, de la grotte. Ça va, je commence à. Oh merde. Putain, je vais geler. Je commence à me rappeler. Un peu. Ah, tu déconnes. You are cold and wet. Build the fire to get dry. Saloperie. Ouais, mais non, mais je préfère aller dans mon camp quand même. Est-ce que je vais survivre? Ou pas? Alors, qu'est-ce que ça fait en fait d'être. Ah oui, la lumière. C'est sûrement chez moi, je crois. C'est chez moi ou c'est chez eux? C'est chez moi, ça. Oui, c'est chez moi! Ah! Hop, on allume tout. Voilà, il fume. Alors apparemment, quand on a froid, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un totem qu'ils ont construit, ces connards? Ah ouais. Ouais, ça, il paraît en fait que quand vous faites une base, un camp comme ça là, si vous tue pas, donc si vous arrivez à résister en fait. Il commence à foutre des totems en fait, comme par
Faites comme nous, qu'on fait des effigies pour eux, mais en fait ils font pareil, donc c'est pour nous faire peur, donc voilà. Donc ils vont commencer à en construire en fait tout autour du camp. Donc on va faire gaffe. Pas faire gaffe, ça sert à rien, mais c'est juste que voilà quoi. Donc bon, mais ça, c'est ce que je voulais montrer, ça c'est. Je l'ai pu le montrer vite. Donc ça va. Je vais dormir du coup. Alors, est-ce que... Non, c'est toujours la nuit. Ah, bonjour. Non, ouais, parce qu'ils sont trop près. Bonjour. Nique ta mère. Allez. Pas dans le feu, toi aussi. Oh, saloperie. Voilà, donc j'ai dû me prendre en fait un coup de boule. Un coup de boule d'un bulldozer. Voilà, donc c'est ce qui se passe quand on se prend un coup de boule d'un bulldozer, c'est que bah on meurt. Donc on est là avec les cadavres partout, bla 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 bla. Bon, et là cette fois ça récupère pas non plus. Donc bon, de toute façon c'est pas sauvegardé, donc c'est très bien. Je vais pas recommencer en fait cette partie là. Enfin, je vais plutôt garder celle-là qui est sauvegardée. Donc c'est pas grave. Mais voilà, bon, c'était surtout pour vous montrer. Il est où le flair? Flair là-bas, je crois. C'était pour vous montrer en fait surtout voilà l'autre sorte de monstre qui est possible. Apparemment, au début, je pensais qu'il ne bougeait pas. Enfin, il bougeait, mais pas qu'ils attaquaient quoi. Là, apparemment, ils attaquent. Mais par contre, ils sont pas programmés pour mourir en tout cas. Donc voilà quoi. Donc bon, ça sera tout en fait jusqu'à la sortie de la bêta publique. Enfin, ils appellent, enfin non, de l'alpha public. Ils appellent ça comme ça. Donc je sais pas exactement ce que ça veut dire. J'espère que ça va pas genre être gratuit alors que nous on a payé avant. Bref. Voilà, pour l'instant ça va pas trop être intéressant. Enfin, je vais pas en faire 5 ans des vidéos pour l'instant, ça sert à rien parce que le jeu il est pas fini, il y a rien de plus. Donc je vais juste faire en fait une ou deux vidéos en plus à chaque fois qu'il y a une petite update, s'il y a des trucs qui ont changé ou alors des mises à jour, enfin voilà quoi. Vous m'avez compris. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est ce que ça suffira. Et on se dit au revoir avec Mr. I Love TR. TR. Une ville qui commence par TR. Qu'est-ce que ça peut être? Ou alors peut-être qu'il aime les trains. Train, ouais. Bon, I Love Train. Alors voilà, ça c'est Bobby I Love Train. Et bah nous on se dit à la prochaine, à une nouvelle vidéo. Salut!